Good morgen, allez, Idan, les sutres aujourd'hui, le Lishmat, le Rabbi Shmuel, Ben Shlomo Zalman, Shlomo Binamin, Ben Mazal, ainsi que l'Irfouat, Sarah, Ben Betir, Rivka, Rafael Zblum, Ben Chaya, Malia, Myriam, Matrasida, Dov, Ben Yehudit, Betor, Shachol, Israël, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Demi-Chak, en effet, de 5 minutes éternelles. Nous débutons aujourd'hui le 5e Perek de Masechet Roulin. Perek He, Mishnah Aleph, Otoved, Ben Onoek, Ben Baretz, Ben Bechutza, Laretz, Bifne Abayit, Veshelo Bifne Abayit, Bachulin, Uba Mugdashin, Keitzad. השוחט אותו ואת בנו חולין בחוץ. שניהם קשרים, והשני סופג את הארבעים. קודשים בחוץ, הראשון חייב כרת, ושניהם פסולים. ושניהם סופגים את הארבעים. חולין בפנים, שניהם פסולים, והשני סופג את הארבעים. קודשים בפנים, הראשון כשר ופטור, והשני סופג את הארבעים או פסול. On commence aujourd'hui avec un nouveau issour dans la Torah. Ça se trouve dans la lecture dans Vaïkra, dans la section de. C'est la section qu'on lit dans les jours de fête. Shor Chesev Oez qui va l'aide. Là-bas, la Torah précise le Shor Ose Otoved Beno Lotishratu Beyom Echad. Littéralement, d'abord, c'est en sens simple. La Torah l'a précisé, lorsque tu voudras faire un korban, alors elle nous a dit quoi choisir, de l'apporter à partir du 8e jour. Après sa naissance, et puis aussi la Torah nous a donné un interdit qui nous dit le shor osé, un taureau ou un c'est un mouton, otoved beno, lui et son fils, lotishratu beyom echad, vous ne les égorgerez pas dans un et un même jour. C'est-à-dire, on a un interdit en fait de la Torah, dans une même journée, d'égorger une vache et son petit ou sa petite. D'accord ? Pour le moment, j'ai pris une vache et pas un taureau, je vous expliquerai après pourquoi. Mais pour le moment, donc une vache et son petit, j'ai pas le droit de les égorger dans la même journée. Et le but de la Mishnah, justement, elle va de ce pérec entier, on va en parler longuement, on va voir comment faire, plusieurs situations assez particulières. C'est-à-dire, vous imaginez bien, imaginez-moi, je suis berger, j'ai une brebis et un petit mouton qui vient de naître, peu importe, et je les vends à Réhouven et à Shimon, pour qu'ils les mangent, pour qu'ils en fassent leur repas. Et puis il s'avère que, en fait, Réhouven, il a déjà égorgé le taureau. La vache, peu importe, je parlais de mouton, excusez-moi, il a déjà égorgé la brebis. Et bien l'autre, de son côté, même s'il est parti de l'autre côté du pays, et bien il n'aura pas le droit d'égorger dans la même journée, il devra attendre le lendemain pour l'égorger. Parce qu'il y a un interdit de Otoved Beno, donc ça va nous entrer dans toutes sortes de situations très particulières, qu'on découvrira tout au long du Pérec. Pour le moment, dans cette première Mishnah, ça c'est introduction générale, et on commence tout de suite à traduire. Otoved Beno, l'interdit de Otoved Beno. Lui et son fils. Noheg, Ben Ba'aretz, Ben Bechutzalaretz, c'est un interdit en vigueur en Eretz Israël, tout comme en diaspora, en Chutzalaretz, même en France. Ouais. Bifnei Abayit, même si ça appartient à des goïms aussi, même si l'animal appartient à des goïms, c'est un verger goï qui va vous le vendre à vous et à. En tout cas, Bifnei Abayit, Veshelo Bifnei Abayit. Qui était en vigueur à l'époque où il y avait le Beth Amikdash et qui est en vigueur même lorsqu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Et Bachulin ou Bamugdashin dans les troupeaux profanes ou même saints. C'est-à-dire qu'il s'agisse d'animaux qui soient pour notre consommation personnelle ou de bêtes qui ont été sanctifiées pour en faire un Beth Amikdash. C'est-à-dire, puisque le Pasouk, comme je vous ai dit, le Pasouk dans la Paracha, il semble parler apparemment, tout le sujet de la paracha, il est de parler des corbanotes. On aurait pu croire que cet interdit ne concerne que les corbanotes. Donc la Mishnah est venue me dire non, ça ne concerne pas du tout que les corbanotes, ça concerne notre consommation personnelle, et ça te concerne même lorsque tu es en diaspora, même lorsqu'il n'y a plus de Beth Amikdash, eh bien tu n'as pas le droit de manger dans une même journée. Ok ? Je reviens un petit peu en arrière sur l'histoire du taureau et de la vache. La Torah nous a parlé Veshor Ose Otoved Beno. Un taureau, en fait c'est l'espèce de taureau. Le Barthénois nous rapporte, c'est comme ça sort de la Gemara ici, que c'est juste, ce n'est en vigueur qu'avec la mère et le veau pour le taureau. Ouais, mâle ou femelle, peu importe. Mais en tout cas, pas avec le père. Pas avec le taureau père, c'est pas en vigueur, comme ça c'est rapporté ici dans la Gemara. Et le Tosot Yom Tov nous rapporte qu'en réalité dans Brorot, dans Masechet Brorot, donc le premier Mishnah, et dans la Gemara, on rapporte un avis qui pense que c'est en vigueur même avec le taureau. D'ailleurs, remarquez que
la Torah semble avoir explicité le taureau lui-même, parce qu'elle nous a dit Shor Osé. Ouais, l'autre avis, l'avis de la Mishnah, il va nous dire qu'en réalité, on parle de l'espèce des taureaux, mais pas du taureau lui-même. Du taureau lui-même, du taureau père. D'accord ? C'est une petite discussion. Maintenant, la suite de la Mishnah va être de nous préciser, on va commencer à nous entrer dans les problèmes. Ouais, soft, pour le moment, ça va être facile. On commence d'abord avec le premier cas. Keitzad, comment se présente le cas ? Ashochet Otovet Beno, celui qui va égorger lui et son petit, donc la vache et son petit veau, Choulin Bachutz, des animaux profanes à l'extérieur du Beit HaMikdash. Pour le moment, tout va bien. Consommation personnelle, ça nous concerne à tous. Bien, sache que après avoir égorgé Shnehem Kshérim, les deux seront kachères. Parce que même s'il est interdit à cause de Otovet Beno, on n'avait pas le droit d'égorger le deuxième. Mais au final, si tu l'as égorgé, la shrita elle est quand même validée. Et tu pourras manger la viande, mais malgré tout, va chez mais le deuxième qui a égorgé, qui a fait là-bas, qui a battu l'animal, eh bien, il devra recevoir malgré tout des makot, des 39 coups, puisqu'il a transgressé, être flagellé parce qu'il aura frappé, et il aura transgressé l'interdit de la Torah de l'otish ratou beyom echad, un lave de la Torah de ne pas égorger dans une même journée. Pour le moment, tout va bien. Maintenant, le but de la Mishnah maintenant va être de nous diriger vers les Kodshim, puisque je vous ai dit que c'était un korban qui était en vigueur même dans les Kodshim. L'idéal en fait, ça aurait été, je vous le dis à l'oral, on le verra quand on y arrivera, il serait de passer directement dans le dernier cas de la Mishnah, où tout d'abord, là je t'ai dit que lorsque tu es à l'extérieur du Beit HaMikdash avec des animaux profanes, si tu les fais les deux seront cachers, mais le deuxième il sera frappé. Maintenant, il y a le cas de figure où les deux étaient kadosh, c'était deux animaux qui étaient kadosh, deux korbanot, et tu les as fait les deux au Beit HaMikdash, là, il y aura quelque chose de particulier. C'est que le premier, tu l'as égorgé, korban parfait, aucun problème. Mais le deuxième à qui tu vas faire la shrita au Beit HaMikdash, même au Beit HaMikdash, dans la même journée, le korban, il est invalidé. Et s'il est invalidé, ça va nous faire plein de conséquences. Donc le deuxième, il recevra des coups, parce qu'il aura transgressé l'interdit, et son korban sera invalidé. D'accord ? Ça va être le dernier cas de figure de la Mishnah. C'est important ça, de le préciser pour ensuite comprendre ce qui va se passer. Avec maintenant Kodshim Bachutz. D'abord on traduit, après j'explique. Kodshim Bachutz. Si on a égorgé, abattu les deux, donc les deux animaux, qui étaient tous les deux Kadosh, mais Bachutz, à l'extérieur du Beit HaMikdash. Il y avait deux animaux. Deux Korban Shlamim, par exemple. Une vache et un veau, qu'on comptait tous les deux apporter à deux jours d'intervalle. Et finalement ils étaient là dans ma cour, et puis je me suis dit, allez, je les égorge tout de suite. On m'a prévenu, dans la même journée. Eh bien, la Mishnah m'enseigne, Harishon, attention, c'est pas la peine d'être la même personne, c'est important de le préciser tout de suite pour comprendre. Même si on est deux personnes, moi j'égorge le mien, et j'égorge un premier la vache, et l'autre il va égorger, et mon voisin, mon ami, il va lui égorger le veau. Eh bien lui transgressera l'interdit, même si c'est pas lui qui a égorgé la mère, bien évidemment. Je l'ai dit en fait au début du cours. Donc, Kodshim Bachutz. Si c'est donc deux animaux qui étaient kadosh, par exemple deux korban shlamim, et qu'on a fait à l'extérieur du Beit HaMikdash, on est transgressé un grave interdit de shrut echutz, pour ceux qui se souviennent de zvachim. Alors, il faut savoir, Harishon chayav karet. Le premier qui aura égorgé, qui aura fait l'abattage, il sera chayav karet. Il sera passible de retranchement. Pourquoi ? Parce qu'il aura transgressé l'interdit de shrut echutz. Un korban, on doit l'apporter au Beit HaMikdash pour le faire dans le Beit HaMikdash, et ne pas l'égorger à l'extérieur du Beit HaMikdash. Si on l'a fait à l'extérieur du Beit HaMikdash, il est devenu, on est chayav karet, et pire que ça aussi, l'animal il a été invalidé, interdit à la consommation, ou shnehem sulim, et les deux seront interdits à la consommation cette fois-ci, mais, ou shnehem sovgim et arbaim, et les deux recevront la flagellation. C'est-à-dire, il y a un interdit de shrut echutz, peut-être qu'il faut d'abord introduire, rappeler un petit peu ce qu'on avait appris dans Zvachim. Interdit de shrut echutz, c'est que je prends un korban qui devait être à l'intérieur du Beit HaMikdash. Je l'ai fait à l'extérieur du Beit HaMikdash, j'ai transgressé un grave interdit de shrut echutz, on est passible de karet sur ça, et l'animal, il est aussi invalidé à la consommation, impropre à la consommation, non, c'est trop tard, c'est un korban que tu as mal fait, donc il devrait être brûlé, il n'y aura plus rien à faire. Et à part ça aussi, celui qui a égorgé, il recevra aussi les 39 coups, parce qu'il a transgressé l'interdit de shrut echutz, c'est un interdit de la Torah aussi. Ok ? Premièrement. Maintenant, dans les halachot de shrut echutz, c'est quelque chose de très particulier qui se passait. C'est que si j'égorge un korban que
Même si je l'ai porté à l'intérieur du Bézamigdash, je ne serai pas chayav sur la manière dont je l'ai porté. Je ne m'acquitterai pas de ma misère de la porter. Si je fais ça à l'extérieur du Bézamigdash, je suis patour. D'accord? Pourquoi aller chercher un exemple ailleurs que celui qu'on a devant nous? Par exemple, après qu'on a égorgé l'animal le premier jour, la vache, on a commencé par égorger la vache, on a dit que dans la même journée, on n'a plus le droit d'apporter le veau. Si j'apporte le veau au Bézamigdash, ce veau il sera invalidé. Pourquoi? Parce que je veux transgresser l'interdit de Otoved, mais non. J'ai égorgé, puisque dans la, même si je n'avais pas le droit d'égorger la mère dans cette même journée, mais une fois que j'ai égorgé la mère, j'ai plus non plus le droit d'égorger le veau. Donc si j'apporte ce veau au Beth Amikdash, il ne sera pas un bon korban. Puisqu'il ne sera pas un bon korban, si je le fais à l'extérieur du Beth Amikdash, je ne suis pas chayav à cause de Shrut Echutz. Vous avez compris? Donc le premier, la transgression l'interdit de Shrut Echutz, c'est-à-dire d'avoir pris un korban que tu devais faire à l'intérieur du Beth Amikdash, tu l'as fait à l'extérieur. T'es passible, karet, et il y a même un chiyuv malkot, et le korban il est aussi impropre à la consommation. Le deuxième, lui, il ne va plus transgresser l'interdit de Shrut Echutz, pour être chayav karet en tout cas. Puisque si, même s'il a porté au Beth Amikdash, il ne fera pas un bon korban. Puisque ce n'est pas un bon korban à l'intérieur du Beth Amikdash, ce ne sera pas un bon korban même à l'extérieur du Beth Amikdash, donc tu ne transgresses plus l'interdit de Shrut Echutz. Malgré tout, tu transgresses l'interdit de Otoved Beno, d'égorger la vache et le veau dans la même journée. Puisque c'est toi qui viens en deuxième plan, et donc tu transgresses, c'est toi qui fais l'interdit. Alors de ce fait, la Mishnah m'enseigne. Puisque le premier l'a égorgé, le korban, à l'extérieur du Beth Amikdash, et le deuxième ensuite, il vient égorger le veau aussi à l'extérieur du Beth Amikdash. Alors, Harishon, Chayav Karet, le premier, il est passible du karet, du retranchement, parce qu'il a transgressé l'interdit de Shrut Echutz, mais pas le deuxième. Ushnehem, Soulin, et les deux korbanotes seront impropres à la consommation. Ushnehem, Sovgim, et Arbaim, et les deux encaisseront les 39 coups. L'un parce qu'il a transgressé l'interdit de Shrut Echutz, et l'autre parce qu'il a interdit, il a transgressé l'interdit d'égorger le veau le même jour que dans la même journée de sa mère. Ensuite, Chulin Bifnim, Shneim Sulin, Vajeni Sofek et Arbaim. Autre cas de figure maintenant, simple. À part l'interdit de prendre un korban, de l'égorger à l'extérieur du Beth Amikdash, il y a un interdit de prendre un animal profane et de le faire entrer au Beth Amikdash et de l'égorger à l'intérieur, mais pas en guise de korban. Ouais, chacun sa cuisine. Le Beth Amikdash, tu apportes les bêtes qui sont kadosh, tu les fais au Beth Amikdash. Et ta consommation profane, tu la fais à l'extérieur du Beth Amikdash. Si tu fais un korban chez toi, c'est un problème. Si tu fais, c'est un problème par rapport au korban. Et si tu fais ton animal personnel, mais dans le Beth Amikdash, tu transgresses aussi un interdit de ma'ale chulin ba'azara. L'interdit de faire entrer des chulin ba'azara, c'est-à-dire de les égorger à l'intérieur du Beth Amikdash. De ce fait, si tu fais la shrita d'un animal à l'intérieur du Beth Amikdash, eh bien, tu transgresses un interdit et l'animal il sera devenu impropre à la consommation. Ouais. Alors, partant de ce principe, la Mishnah m'enseigne. Choulin bifnim, si tu as fait des choulin à l'intérieur du Beth Amikdash, shneim solin, les deux seront invalidés à la consommation, impropres à la consommation, mais par rapport à l'interdit de recevoir des malkotes, alors celui qui égorge un animal choulin dans l'azara, il ne transgresse pas un lave pour être frappé. Mais, tandis que le deuxième, il transgressera l'interdit d'Otoved Beno. Donc le deuxième recevra les 39 coups, mais pas le premier. Et maintenant, on revient sur le cas qu'on évoque à l'oral. Kodshim Mifnim, si c'était des korbanot, les deux étaient des deux shlamim. La mère était un korban shlamim et le veau c'est un korban shlamim. Il a fait donc des Kodashim Bifnim, des sacrifices à l'intérieur du Beth Amikdash. Harishon, Kacher ou Patour. Le premier animal égorgé sera Kacher. Et donc on transgressera, on sera pas tout, on sera dispensé de flagellation, puisqu'on n'aura pas encore transgressé l'interdit. Vacheni, et le deuxième qui égorgera le korban, Sofeget Arbaim, lui il encaissera les 40 coups. Ouais, j'ai dit 39, 40, c'est la même chose. Et donc le deuxième, il encaissera les 40 coups, les 39 coups, ou Pasoul, et l'animal sera devenu assourd à la consommation, et le korban sera invalidé, étant donné qu'il n'avait pas le droit d'être égorgé aujourd'hui. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de la sacra colto, c'est là.